C'est d'abord pas la première fois que je viens. Je suis venu dans des conditions un peu particulières parce que chaque année on venait avec toute l'équipe de Charlie Hebdo. Donc cette année, c'est pas un pèlerinage, c'est un acte de continuité, mais ça ramène plein de souvenirs. Donc je suis venu à la fois pour me souvenir de mes potes qui ne sont pas morts parce que leur œuvre dure encore. Et puis je suis venu parce qu'il y a une ambiance que je retrouve nulle part ailleurs de fraternité, de solidarité. Tu rencontres des gens de tout bord, de tout poil, et je trouve ça d'une grande richesse, un grand moment festif et convivial. Écoute, la préfète, il est évident qu'il y a des questions qui sont des questions fondamentales sur le social et la politique, la lutte contre le chômage, mais il y a aussi la mobilisation pour lutter contre le terrorisme et la guerre qui est maintenant vraiment de plus en plus présente, et l'aide qu'on doit prodiguer la plus large possible aux réfugiés. Voilà, donc je crois que c'est les deux urgences à l'heure actuelle de la préfète.